Moi quand je me fais chier, j'écoute le clash sur la chaîne Aslaïga. Et là on vous envoie les deux clasheurs tout de suite à la radio sur Skyrock, ils sont là, allez. C'est parti. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Ouais. Et tous les coups sont permis. Pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. Je vais te baiser. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. C'est le clash de la drague. Et oui, c'est toi, Cédric. Et le mec parle. Ben ouais, mais il encourage ses troupes, il a raison. Mais la team Romano, je sais que vous êtes déjà là, je vous sens en moi. Oh, bah t'as un gros cul. Il y a du monde dedans là ce soir. Ouais, c'est bête. Eh ben ce soir la team Romano, je compte sur vous tous et vous toutes pour calmer le veau. Ce soir, le veau est mort. Votez calmer Romano. Veau, on va te baiser mon pote, tu vas voir. C'est l'heure du clash de la drague. Ouais. Vos méthodes. Ben moi la méthode que je vais utiliser, c'est la méthode agent de star. C'est-à-dire que j'ai une star qui vient dans la ville là faire un petit concert. C'est Johnny Hallyday. Ouais, ou notre Patrick star, Sébastien. Ouais. C'est génial, le petit bonhomme en mousse. Et pour après le concert, elle va bien se détendre et genre faire l'amour à une femme, quoi. D'accord. Romano, ta méthode? Moi, c'est la méthode, j'ai créé... j'étais en train de boire chez moi. J'adore. Et je me suis fait un petit cocktail qui m'a donné bien la gaule et je voudrais le faire goûter aux familles, un cocktail un peu aphrodisiaque. Le cocktail aphrodisiaque contre l'agent de star, c'est parti pour le clash de la drague. Romano, Cédric, faisons rentrer les familles. Allez. Attention. On va chez qui là? Fil pour Cédric. Alain. Allô? Oui. Ah, Alain? Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Bien. Bah nickel, je me présente, je suis Michel, agent de star. Et je t'appelle là parce que j'ai mon artiste là bientôt, il va faire un concert là, pas très loin de chez toi. Et après le concert, il aimerait bien faire l'amour à une femme. Ouais. Donc je pense à la tienne. Non, moi carrément. Bah ouais, si tu veux, tu pourras faire l'amour à une star. Mais par contre, avant de faire l'amour à la star, faut faire l'amour avec moi. Il faut que je vérifie que tout se passe bien, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Que tu sois au niveau. Donc, à la limite, je pourrais venir là dans 5-6 minutes. Je pourrirais. Ta gueule, toi. Je pourrais venir dans 5 minutes, si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui parle, là? Non, mais c'est des amis à moi derrière. Pardon. Ils sont un petit peu bourrés, tu sais, les mecs, ils sont fatigués la soirée. Ouais, c'est le showbiz. Ça boit, ça se drogue, tout ça, quoi. Ah, Romano, tu l'aides, c'est gentil. Allez, chut, maintenant. Tu veux que je fasse Patrick Sébastien? Non, c'est... Voilà. C'est génial. Bon, c'est génial, Alain. Tu vas me bouffer la queue. Ouais, je suis avec Patrick Sébastien, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans 5 minutes chez toi. Et on fait tourner la caquette. J'arrive dans 5 minutes chez toi, histoire de te faire l'amour à toi et à ta femme. Ouais. Je vois si ça se passe bien, puis après t'auras l'honneur de faire l'amour avec la star, quoi. Oh, c'est génial. Avec Patrick Sébastien. Génial, je suis là, je suis blonde. Bon, ben j'arrive dans 5 minutes alors. Qui c'est qui fait ça? Quand il pète, il trouve son slip. Ah ben c'est Patrick Sébastien. Tu l'as pas reconnu? Le petit bonhomme. Et voilà. Fais les serviettes, tourner les serviettes là. Et on fait tourner les quéquettes. Et voilà. Bon, ben je vais faire tourner ta quéquette là, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Ouais. Tu connais les sardines? On va chanter les sardines. Bon, ta gueule maintenant, là, Patrick, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte à sardines? Bon, voilà, j'arrive dans 5 minutes, d'accord? Oh, c'est génial. Je me débarrasse de Patrick, j'arrive dans 5 minutes, je fais l'amour à toi. Je crois que je vais te baiser ce soir. Après, je vais baiser Patrick derrière, et puis je reviendrai m'occuper de ta femme, d'accord? Ouais. Bon, bah... En fin de compte, tu voulais quoi? Bah, j'aimerais bien te faire l'amour à toi ou à ta femme. Oh, c'est génial, il est moche. Ah, pardon. Ta gueule, toi. Alain. Putain, mais ferme ta gueule, toi. Attends, je t'aide depuis tout à l'heure. Sérieux, ça tombe dingue. Ouais, Alain. Sérieux. Sérieux, là, il rigole plus là. Bah, c'est Michel, l'agent de star. Là, on est sérieux, là. Génial. Bon, ta gueule, Patrick, là, c'est bon. Michel qui? Bah, Michel, l'agent de star. Michel Drucker, dis. Michel Drucker, tu connais pas Michel Drucker? Ah, ouais. Eh ben voilà, ça y est, je me suis recyclé, là. Il est beau. Ah ouais. Bon, j'arrive dans 5 minutes, c'est bon? Tout est ok? Tout est ok, vas-y. Prépare tes petites fesses. Ouais. Ah, parce que ce soir, je vais me déchaîner, hein. Je peux te dire que tu vas manger l'oreiller, mon coco. Oh, il est précoce, c'est génial. Ta gueule, pour... Tout précoce, en fait. Vos gueules. Bon, j'arrive, à tout de suite, bisous. Ouais, big bisous. Bisous. Ah, ça, c'est Carlos, ça. Bisous. T'as des classiques, Cédric, pardon. Ah, c'est bien. Allez, hop là. Salut, man. Ciao. Bip, bip. Et un bip bip collectif pour les deux là. Eh, c'est la première fois que vous travaillez en équipe. Ah, t'inquiète, on va travailler en équipe aussi. Ouais, bah non, sur le mien tu fermes ta gueule par contre. Donc, c'est compliqué. Je dirais presque un serrage pour Cédric, ça c'est clair. Non. Bah ouais. Il y a le serrage pour Cédric. Et un demi pour Romano. Et un demi pour Romano. Ah, un demi, c'est limite Patrick Sébastien qui a tout fait. Regarde, JP de Saint-Étienne qui disait Romano arrête de l'aider. Bah sinon on compte un serrage pour Romano, un demi pour Cédric. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et toi, tu veux pas aller. Il est pas mal, Samy, comme arbitre. Tu veux pas t'occuper de Marseille? C'est pas lui l'arbitre. Comme arbitre assistant ou je sais pas. Assistant, voilà. Ton esclave. Comme esclave, voilà. Appelle le suceur, c'est mieux. De touche. Bon, un serrage, c'est bien. On enchaîne avec toi, Romano, c'est parti. Ouais. Eh ben, on appelle Alain encore.
Voilà, comme ça c'est pas compliqué, ouais. On sait qu'on est chez Alain. Ces conneries là, je l'ai aidé, je vais me faire baiser au final. Ah non, t'as qu'à dire que tu l'as aidé dans ta déclaration. Oui, non, mais c'est clair, bah, bien sûr que je vais m'en servir de ça, évidemment. Putain, mais c'est un truc de ouf ça. Allô. Ouais. C'est Guillaume. Ah. Allô, Alain. Ouais. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, quoi de neuf? Bah, attends, je reconnais pas ta voix, tu peux te. Ah bah, je peux me présenter, je m'appelle Jean-Louis, moi. Un copain de ta bonne femme. Un copain de ma bonne femme. Elle est toujours là quand même. Non, non, elle est partie. Ah, elle est partie. Ouais. Ah bah je vais être obligé de venir te faire l'amour à toi alors ce soir. Pourquoi pas. Bah ouais, parce que j'avais prévu de le faire avec ta bonne femme, mais si elle s'est barrée, c'est toi qui vas prendre dans le fion, hein. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. Bah écoute, tu pourras toujours essayer, hein. Ah bah je vais essayer ça, j'espère que je vais réussir à rentrer là-dedans. Ouais, bah ouais, tu pourras toujours essayer. T'as le cul propre ou pas? T'inquiète pas, va. Bon bah écoute, j'arrive dans 5 minutes, j'ai fait un petit cocktail aphrodisiaque là. Ouais ouais, t'as raison. Je vais t'aphroditer et après je vais te sodomiser. Ouais ouais, t'as raison. Bon, j'attends à la porte. Eh ben attends-moi à la porte, le cul à l'air. Hein. Ouais ouais. Bon, t'as un fusil, un truc chez toi? Ouais oui, j'ai mon fusil, il est chargé. Ah bah, dire. Ah bah nickel, tu me prépares les cartouches et les bonnes. Hein. Ouais ouais ouais, t'inquiète pas. Que je perde pas mon temps quoi. Ouais. Bon bah écoute, je te dis à tout de suite mon Alain. Ouais, à tout de suite, va te faire voir. Je suis là dans 5 minutes, ma chérie. Va te faire voir. A tout de suite. Et ben voilà. Et voilà, il va se faire cartoucher Romano. Tu vas aller te faire voir. Un autre serrage. Oh là. Ah ouais, il l'attend avec le fusil. Ah, il m'attend dehors. Ouais. Avec le fusil. Avec le fusil. Avec le fusil. Avec le fusil. Il avait une voix de chasseur, lui. Ah, quel bon. C'est ça, tu l'as senti, en fait. J'ai senti le fusil qui était pas loin. Ah, bah, vous m'avez bluffé, là, sur le coup, hein. Ouais. La parisienne ouais, dit, pas mal, hein. Dit l'union fait la force, tu vois. Regarde. Ouais, ouais. Cédric a seulement serré tout à l'heure grâce à Romano qui non, faisait non, rire non, le non, mec. Non. Non, non, Cédric a serré, il a serré, il a serré avant même. Bah oui. Ouais, serré avant, pas non plus. C'est Romano t'as serré aussi toi. Ouais, moi j'ai fait un double serrage en passant qu'un coup de fil. Voilà, ils sont double trop beaux. Serrage. C'est les bah deux ouais, j'ai serré sur ton appel. Voilà, mais ça compte Patrick pas. Patrick Sébastien, génial, il va se faire baiser. La gueule, c'est mon appel, il est fou. Les deux plus grands clasheurs du monde. Bon, c'est comme vous voulez, on peut s'arrêter là parce que c'était super. Ou alors on peut tenter un coup de plus, c'est comme vous voulez. Cédric Romano. Comme veut mon adversaire. Bah, comme tu veux, moi. Non, vous faites chier, je demande votre avis. Honneur au perdant, tu choisis. Bah vas-y, donne-moi un appel. Cédric, prends un appel. Ouais. C'est parti. Dangereux ton truc, hein. Prends un risque, hein. Ouais, ah, mais genre. T'inquiète, moi j'aime bien les risques. Ah, il aime le risque. Il aime le risque. Il tente le tout pour le tout. La vie, c'est comme ça, mec. Oh, ça, c'est du serrage, Romano. Et hop, un nouveau serrage. Attends, c'est à toi, Cédric. Allô. Ouais. Ouais, Jacques. Oui. Ça va, tu vas bien, ma gueule? Ouais, ouais. Wow, nickel. Je t'appelle là, je me présente, je m'appelle Michel et je suis agent de star. J'ai un de mes artistes là, parce que je m'occupe de plein d'artistes, tu sais, je suis un peu dans le showbiz. Et là j'en ai un là de mon catalogue là qui va faire un concert pas très loin de chez toi. Et après le concert, il aimerait bien se taper une bonne femme. Ouais. Donc comme je connais un petit peu la région, on m'a parlé de la tienne, on m'a dit qu'elle était un petit peu chaude. Ah j'en ai pas. T'en as pas? Bah c'est bizarre ça parce qu'on m'a parlé d'elle. Peut-être qu'on parlait de toi alors. Ouais ouais. Allez. Bah à la limite. Attends, mais attends. Ah merde. Allez. Non mais attends Jacques, raccroche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'étais pas dessus. Là. Jacques. Ah, enculé. Bah dire mais. Oh, bah, moi, non, je t'avais dit c'était pas ça. Je l'ai fait exprès, je voulais pas parler sur celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah on voit le niveau que c'est pas le même qu'au premier coup de fil. Moi je veux pas dire mais ça s'appelle. Passe ton appel, tu fais quoi là? Non, je rappelle pas. Tu rappelles pas, de toute façon. Non, t'as pas le chanté. De toute façon, t'avais pas rappelé. Daniel. Donc, si, Daniel. Si je veux, je fais c'est qui sonne là? C'est Daniel. C'est Daniel et c'est pour moi. Ouais. D'accord, c'est l'appel de Romano. Ouais, bah voilà. Cédric a passé le sien, on a vu le résultat. Oh, attends. Bête de réussite. Hein. Souvent, quand tu te la racontes, gros, derrière, tu fais de la merde. Ah, allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme à Daniel? Oui, comment elle va? Ça va bien, ça va. Ça va bien? Je vous réveille pas là quand même? Bah moi, comme je travaille du matin, là, je suis dans le lit. Hein. Ah, t'es dans le lit, bah ça c'est parfait, tu m'attends, dis donc. Bah tout à fait, voilà. Bah écoute, je vais arriver dans 5-10 minutes là. C'est qui? C'est Michel? Bah oui, c'est Michel. Non, c'est moi Michel. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Bah ça va bien, je vais venir me coucher avec toi là. Il est là le père Daniel ou pas? Allô? C'est Carlo. C'est Carlo. Et Carlos, ouais. Carlos, Big B. Oui. Allô? Oui, allô, Carlo. Ouais, ah bah tu m'as reconnu, je suis Carlo, oui. Je suis Carlo et Michel, un peu tout le monde, moi. Bon, bah je vais venir me coucher entre vous deux ce soir, là. Y'a pas de soucis. Ah, et puis j'entends le chien, je pourrais l'attraper, ça te gêne pas? Oh, aucun souci. Aucun souci. Bah écoute, j'arrive, on fait l'amour tous les trois, et puis après je me taperai le chien.
puis je dormirai dans sa niche avec lui. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, ma petite chérie. A tout de suite. Oui, d'accord. A tout de suite, bisous. 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 Et voilà. Et ben voilà. T'as les nerfs un peu, Philippe. Ah, le chien, on veut encore. Ah, le chien est encore là, dis donc. Ouais. C'est terrible, ça. On vous embrasse, la famille. Ah, bisous, hein. Bisous, le chien. Ouais, tout de suite. Vas-y, apprends à parler, toi. Bah, apprends à draguer, ma gueule. Alors là, vraiment. Apprends à draguer sans moi, quoi. Exceptionnel, hein. Terrible. Romano, 2 appels, 3 serrages. Trouver l'erreur, nous dit grand-papa. Non, mais c'est un beau slogan, ça. Ouais, c'est vrai. Pas d'erreur. C'est le chien. Eh ben, bravo. Romano s'est fait de l'autoconcurrence, nous dit M&M's. C'est vrai que dans le premier appel, vous avez fait un beau... C'est la première fois que vous faites un truc ensemble. Ouais. Enfin, j'ai senti qu'il galérait, donc je l'ai aidé, quoi. C'est peut-être le début d'une grande histoire d'amour. Tiens, moi, je me lance dans le social cette année. Je suis pas sûr, là. Alors, vos déclarations, Cédric. Ah ben, moi, il va falloir voter Cédric, c'est EDR. Je peux chanter, moi, après, Romano. Moi, j'essaierai Alain. Si tu veux. Tranquille, tu vois, j'essaierai Alain, agent de star, c'est un peu le showbiz, on fait l'amour tous ensemble. Pour ça, voter Cédric, merci, je vous aime très très fort. Ah, t'es vraiment une pute, tu pourrais me dire merci quand même. Bon, merci à mon adversaire d'avoir participé, m'avoir plus ou moins aidé sur mon appel. Plus que moi, d'ailleurs. Non. Bah, on a vu, gros, sur le deuxième. Non. Le deuxième, je n'ai pas dit un mot, tu as fait quoi? Ouais, mais parce que c'est la famille, gros. Ferme bah oui, gueule. C'est toujours la faute des autres. On passe une famille, elle est c'est même ça, pas ça, il y a ceux qui ont des résultats et ceux qui ont des explications. Ouais, bah moi, j'ai les deux, moi. Ta gueule, toi, tu l'aides. Mais de toute façon, dans cette équipe, vous le sucez à la mort. Mais personne ne suce. Là, j'ai la bite libre, et de toute façon, elle pue, là. Allez. Elle est odorante. Oui, Marie, donc, personne ne veut le sucer. Non, voilà, non, personne. Je dis rien, moi. Bon. Marie, elle a essayé, elle peut plus. Non, elle peut plus, là. Ah, bah non, je peux plus. Elle peut plus. Bon, c'est ta déclaration, Romano. Bon, bah moi, déjà, je veux chanter. Romano, il faut voter. Romano, je dédicace à Cédric, qui kiffe trop. 3, 4, 1. Romano, il faut voter Romano. Romano. Il faut voter Romano, ouais. Romano, il faut voter Romano. Non. Romano, il faut voter Romano, ouais. Bon, moi j'ai fait 2 appels. Déjà mes 2 appels, bim, serrage direct. Et en plus j'ai serré sur celui de Cédric. Ouais, okay, exceptionnel, ouais, en lui donnant un gros coup de main. J'étais Patrick Sébastien. J'avais déjà géré là. C'est génial, je veux trop Romano. C'est magnifique, merci Patrick. Génial. Il y a de l'amour, il y a de la solidarité. C'est le clash de la drague. Ah ouais, c'est ça, c'est beau. Tel qu'on l'aime. C'est beau, tous Romano. Les soirs. Les résultats dans un instant de ce beau Clash Collector. Attention, ouais. C'est pas fini. Sly Guy. Bon, Romano, je vais donner les résultats du Clash de la Drague, puisque tu es tellement gentil. Déjà, je voulais te féliciter pour le double appel. C'est encore un très bon choix et une très bonne idée que tu as eu de nous le repasser. Mais quel succès. Ouais, c'est vrai, bravo. Romano, je voulais te remercier pour ta gentillesse vis-à-vis de Cédric tout à l'heure. Tu l'as aidé dans le clash. Bah, galère le pauvre. Ouais, enfin, vous rendez compte que... Il a fait Patrick Sébastien. Vous rendez compte que depuis la rentrée... Oui. Des grandes vacances, ça, je vous parle. Hein. Oui. Pas la rentrée des vacances de la Toussaint. Hein. Oui. Il en a gagné qu'un. Deux. Qu'un. Deux. Ouais. Bon, bah, en tout cas, aujourd'hui, il y en a un qui a gagné le clash. Qui c'est? J'espère que c'est moi. Ah, j'espère pas que c'est toi. J'espère que j'ai pas été trop gentil et que ma gentillesse ne va pas me perdre. Oh, genre. Les résultats sont là. Ouais. Putain. Je vous les donne, les résultats du clash de ce soir. Je la sens pas là. 81% des voix pour le gagnant. Ah ouais, quand même. C'est pas sérieux là. La générosité de Romano est récompensée. Tu fais 81, Romano. Oh là 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 là. 81. Qu'est-ce que je te mets? T'es pas sérieux là. Ça faisait longtemps. Parle bien toi. Salope dans ton cul. Eh oh, tu as dit biatch. Eh bien, lundi, on recommence. Ouais, carrément. Ah bah, ce tarif-là, ouais, je veux bien. Lundi soir. Je peux même en refaire un tout de suite, si vous voulez. Ah non, on n'a pas le temps, il y a Pamela après, elle va gueuler. Ah, je sais bien, ouais. Pamela, d'ailleurs, qui a l'air d'être très contente, elle sautille en l'air. Youpi la gagné. T'as vu, Pamela, ce qu'on lui a mis. Sale enculé. Ça, je veux pas dire le contraire. Parle bien. Ah putain. Bon, Pamela, elle arrive. Bon, avant ça, qu'est-ce qu'on fait?